Aujourd'hui, je te montre comment changer des plaquettes de frein sur un S416 GT. Ça, c'est sur le bras inférieur que ça se repose pas. Ah oui, t'enlèves ça facilement ou des fois c'est grippé et que t'es galère des fois? Ouais, ça va en général. En général, vraiment tu tapes plus fort. Hein, ah ouais, ça va finir par venir. Ça va finir par venir. Et des fois ça arrive aussi que ce soit plus usé d'un côté que l'autre, non? C'est pareil des deux côtés. Ça peut arriver. Ah oui, peut-être te laisser passer, je serais mieux. Ça, on aura vraiment l'impression qu'on est dans l'action avec toi quand tu mets les. Donc en fait, par contre, ouais, tu peux pas mettre celui-là côté droit ou celui-là côté gauche, et t'as un sens. Si, tu peux mettre dans n'importe quel sens. Celle-là, ouais. D'accord. Celle-là, oui, parce que comment. Ah, ça dépend des véhicules, comme quoi. Ouais, certains, t'as pas le choix parce que t'as des trompeurs dessus ou quelque chose. Mais. Ah oui, donc par exemple, ça va être des plaquettes. Oui. Et ça, les plaquettes, par contre, ce modèle-là, tu peux pas mettre sur n'importe quelle carte. C'est vraiment spécifique à celui-là, quoi. Enfin, peut-être que c'est sur d'autres modèles aussi. Mais... Sur d'autres modèles, tu peux faire certains modèles. Par contre, tu as un sens pour les mettre quand même. Hein. Tu vois le côté métallique, il va pas. Ah oui, ah bah oui. T'as le bas à toi, non? Non, comment? Il parle pas à toi? Si, si. Ah, si. Ouais. En fait, t'es polyvalent en fait. Tu fais... Ouais, voilà, ça, ouais. Ah, oui, après, tu dois fixer ça, quoi. Ah, oui, c'est ça qui permet de tenir le tout, quoi. Ouais. Ah, mais en plus, vous avez acheté ça en plus, quoi. Ah, c'est fourni avec. Ah, c'est fourni avec. Donc, à chaque fois, c'est changé, quoi. Ouais. Tac. Ah, oui, c'est costaud quand même. J'arrive. Ah ouais, 80 et 180 000 bornes. Ouais. Ah ouais. Ça dépend des chauffeurs. Ouais. Ouais, bah oui, ça c'est clair. Ça, c'est... Et ça dépend du circuit. Oui aussi, ouais. Parce que si tu soulèves le chariot. Ah oui, tu soulèves avec ça quoi, d'accord. Ah, puis... Ouais, d'accord. En fait, c'est une technique quoi. Ouais. Un guide, voilà. Ouais, c'est les guides. C'est pour bien guider tes gens. Sur les trous quoi. Parce que si je les mettais pas, en fait ce qui se passe c'est que ta jante va venir soit buter ici, soit là quoi. D'accord, comme ça tu vises bien quoi en fait. En fait l'avantage que ça, c'est que comment du coup ton équilibrage il peut être surfé sur ta roue, mais si tu guides pas ta jante, l'équilibrage il n'a plus aucun intérêt. Ah bah oui, ouais d'accord, pigé. Donc,
Mais normalement, en général, la machine a bien fait son boulot, quoi. Oui. Mais bon, on n'est pas à l'abri. Et après, par contre, si je vois un truc souvent, enfin, je sais que moi, quand. Enfin, après, pareil pour tout le monde, hein, mais normalement, quand tu as fait un certain nombre de kilomètres, je sais qu'à une époque, il fallait que nous, conducteurs, on signale à l'atelier pour revérifier justement le resserrage des, ouais, ouais, des pneus. Donc, ça, c'est au bout de combien de kilomètres normalement? En général, au bout de 500 ou 1000. D'accord, de vérifier que ouais, c'est bien serré. Ouais. Et là, c'est, t'as resserré après là, un petit peu? Non, je contrôle juste si c'est serré ou pas. Si la clé déclenche, c'est que c'est bon. Et voilà. Non, là, tout était bon, quoi. Ouais.